Content les gars, parce que j'ai retrouvé, mon micro reprend un petit peu du service, vous avez pu voir, on le voit là maintenant à l'écran. Avant j'avais le casque, j'en avais un peu marre d'être tout le temps au casque. Alors déjà je suis super excité les gars parce que actuellement il y a le défi triple Elixir. Alors je sais pas si vous l'avez fait, je suis à une victoire. De la fin. Et il me reste qu'une seule chance. Et je peux vous dire que il est pas simple ce défi, il est pas simple. Et je voulais vous le faire profiter en plus avec ce beau petit micro qui est revenu, ça me fait super plaisir. Au moins comme ça, quand je parlerai d'ici, vous m'entendrez tout le temps. Le câble là, ça là, ça me saoulait un peu, voilà. Maintenant vous m'entendez de partout, certes peut-être un peu moins fort, mais ça sera pas mal. Alors écoutez, on va se lancer ce nouveau défi. C'est parti, let's go. Alors, ce qu'on peut voir aussi au fur et à mesure, le micro est en train de descendre. Je sais pas pourquoi, mais mon trépied là, il est pourri, il arrive pas à tenir debout. Alors, c'est parti, putain. En plus, c'est du triple élixir. Et qu'est-ce que je fais? Moi, je vous parle, putain. Déjà, c'est super mal parti parce que je vous parlais. Alors, le mec joue 3 mousquetaires, ok, on est dans la merde. A few moments later. Avec son PK de merde. Allez, c'est parti, allez. Allez, là. Allez, on va défendre à droite, on est obligé. Oh putain, ça va faire mal. Ça va faire mal, je vais perdre ma horde de gargouille, je pense. Allez. Non, ça touche pas la tour, les gars, ça touche pas. Il est là, il est présent, mon gars. Je suis bon là, je suis chaud. Je lui ai mis 2 tours à 1000 points de vie. Eux aussi d'ailleurs. Donc ça fait un peu mal aussi. Et on va essayer de faire la différence. On va essayer de win, mon gars. Allez, on le tombe. C'est beau. Allez, ça peut le faire à droite, ça peut le faire. On va mettre un petit coup de poison, malheureusement, non, ça passera pas. Ça ne passera pas, malheureusement. On met une tour de l'enfer rapidos ici. Ok, boum. Bien sûr, la voleuse n'a pas réussi à passer. Pff, c'est chaud, c'est très très chaud en plus. Il joue le sort de foudre, cet enfoiré. Donc il est bien chaud pour me faire chier. Aïe. Ah là là, les 3 mousquetaires, ça fait très très mal. Très mal. On va essayer de le finir. On va tout simplement essayer de le finir tout simplement au poison. Ça pourra peut-être le faire. On en revoit encore ça. Allez, c'est parti. Allez, il m'envoie la même chose. Oh là, c'est chaud. C'est chaud patate. Allez, boum. Oh oui, yes, ça a touché. On va mettre un petit coup de poison. On est obligé. On va mettre une petite coup de voleuse à droite. On est obligé avec un bélier de combat. Allez, s'il te plaît, c'est faisable. On peut le faire. Ça va être chaud, mais on peut le faire. C'est chaud, patate. Il m'a tombé une tour, il reste 22 secondes. Allez, il reste 22 secondes. Je peux mettre 2 sortes de poison, je pense, tout simplement. Allez, ça peut le faire, allez. 15. Yes. On est revenu dans le game, les amis. C'est chaud patate. Le micro qui est en train de descendre. Je suis en train de parler tout doucement en bas comme ça. Faudrait qu'on le remonte un peu, ça fait chier. Putain. Allez, on a une victoire de la fin. On est à une victoire de la fin, les amis. Putain, je vais remonter le micro. Ah, c'est trop dur. Le truc est trop dur. J'arrive pas à le remonter. Fait chier, on voit plus parler. Je suis complètement absent. Allez, la horde de gargouille. Je compte sur vous. Ça, c'est l'assaut final, les amis. Allez. Yes. Ouh, putain, on monte le micro, les amis. Il est dégoûté, le mec. Oh, il est dégoûté. Putain, je suis content. Oui. Putain, les gars. La bombe. Dis-moi dans les commentaires si t'as réussi à le faire, ce défi. Je peux te dire qu'il était super compliqué. Et je vous l'avoue à vous. Tout simplement, j'ai été à 2 défaites dès le début. J'ai au moins fait 7 victoires d'affilée. Je vais vous le montrer dans le truc d'ailleurs. Comme ça, au moins vous me croirez sur parole. Regardez. Voilà. Alors, j'ai fait 2 défaites d'un coup. Et après, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 victoires d'affilée. Donc, je peux vous dire que c'était tendax. Je suis super content. Donc, ce qu'on va faire, on va se faire ce pack opening de ce nouveau coffre. Putain, le micro est en train de descendre encore. Voilà, on va le foutre en plein milieu de la vidéo, comme ça, on me voit quasiment plus, et au moins, le micro, il sera là. Alors, on va faire un pack opening, parce que j'ai un coffre. Le coffre, bien sûr, du tournoi, du défi. Et j'ai un petit coffre épique aussi à ouvrir, qui sera plutôt sympa à se checker. Donc, c'est parti, on s'ouvre ce coffre. Alors, si vous étiez là lors de mon dernier live, je l'avais fait le défi, et j'avais fait quoi, 5-6 victoires, et j'ai eu une légendaire, et j'avais eu le cimetière.
tous ceux qui étaient là, je vous remercie d'ailleurs. Donc on espère en avoir une autre. On a eu 1100 or, me semble. 2 gobelins Sarbacane, 4 pierres tombales, 5 sorciers, c'est bien, on pourra bientôt passer level 9, qui est une carte très cheatée, le sorcier, mais je joue pas trop. 3 mousquetaires, 12, pas mal aussi. De la mousquetaire, de la tour à bombe. Oh, allez, si on a plein d'épiques, ah non, on n'a pas eu de commune encore. Ah putain, de la charrette. Et bien sûr, on n'aura pas de légendaire, et on a 490 chauves-souris, le truc que je ne joue pas. Mais bon, ça fait toujours plaisir de les avoir, je pourrais les passer un level au-dessus. Donc voilà, j'ai réussi ce défi, en tout cas, ça m'a donné énormément d'or. J'ai 137 000 or, alors j'en avais que 40 000 ou 30 000 au début. Ça vous donne à peu près 100 000 or, donc c'est parti, on en profite pour s'acheter ce petit coffre épique. J'ai cliqué à côté, allez, c'est parti. Qui sait, on sait jamais, une petite légendaire. Bon, je doute qu'il y ait une légendaire, donc un sort de rage, un PK. Une sorcière, et donc bien sûr pas de légendaire, et 12 gardes, d'accord, que des cartes pas exceptionnelles, mais c'était plutôt sympa ce petit pack opening. Donc voilà, on a partagé ce défi triple élixir, je trouve qu'il a été super intéressant, c'était flambant. S'ils pouvaient nous proposer des défis tout le temps comme ça, mais pas où on paye avec des gemmes, où on fait un combat normal en matchmaking, ça serait flambant, ça relancerait un peu la dynamique du jeu, parce que c'est vrai qu'elle commence à être un petit peu répétitif, Clash Royale, je trouve que bon voilà, il y a que les défis qui m'intéressent maintenant à faire en vidéo, vous avez pu le voir hein. Donc voilà, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que tu passes encore d'excellentes vacances. À la rentrée, on se retrouve pour faire plein de nouvelles vidéos, ça va être flambant, on va essayer de se faire plein de nouvelles vidéos, autre Clash Royale, parce que Clash Royale, voilà, s'essouffle un petit peu, on va essayer de se diversifier. Donc merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker et surtout à partager la vidéo. Ciao tout le monde.